Légère transition, mesdames, messieurs, tout est revenu à l'ordre. Nous allons donc revenir sur ce qui est le plat principal du jour. Nous parlons de cette immigration africaine et nous allons nous interroger si c'est un échec des politiques publiques sur le continent, alors que le continent se vide. Des thèmes comme Comunada, docteur Jean-Moïse Mbok, je sais que vous êtes averti. Loterie américaine, ça vous parle aussi. Access Canada sont entrés avec pied et force dans notre espace sociétal. On ne compte plus les familles qui, justement, quittent le continent et s'en vont vers l'Afrique du Nord, l'Afrique, vers l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, vers l'Europe. L'Europe qui, hier, était même la destination principale, mais aujourd'hui, on se rend compte que, justement, les points d'attraction ont muté vers l'Amérique du Nord. Comment est-ce que vous lisez cette nouvelle ruée vers l'Amérique qui s'opère au vu et au su de tout le monde, quasiment sur le continent? Mais cette ruée n'est pas nouvelle. Elle est juste mieux médiatisée, mais elle n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui est un village planétaire. Les gens vont en Asie, les gens vont en Australie, les gens vont dans le Maghreb, les gens vont dans le Moyen-Orient, simplement à la quête de mieux-être, un emploi ou alors pour les études. Et j'en passe. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on essaye de donner l'impression que l'Afrique se vide pour aller rester en suspens à l'étranger. Moi, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faille voir ça. Elle se Aujourd'hui, vide au pas, Canada, docteur? non. Ça, c'est mon avis. Hein. Je dis ça, c'est le mien et j'assume. L'Afrique ne se vide pas. Les gens qui vont en Occident, un, c'est pour les études. Deux, c'est pour le travail. Trois, c'est pour certains qui estiment qu'ils n'ont pas leur place ici. Ils pensent qu'ils vivront mieux ailleurs. Vous avez également le transfert inverse. Beaucoup d'Européens viennent ici. Beaucoup de Canadiens viennent ici. Beaucoup de Chinois viennent ici. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'échange qui se fait. Et il ne faut pas simplement qu'on voit ces migrations comme un défaut de management ou de gestion des ressources humaines. Ça Oui. peut être un des problèmes à gérer, mais ce n'est pas que ça. Donc aujourd'hui, les gens qui partent, faudrait pas qu'on mette le 100% des départs sur le fait qu'on souffre en Afrique, c'est la catastrophe ici, et il faut qu'on aille chercher meilleur ailleurs. Non, c'est simplement que celui qui a fait ses études, qui a un métier, qui a une compétence, qui a une qualité, qui estime qu'il n'est pas suffisamment rémunéré ici, peut aspirer à meilleur, comme vous et moi. Quand nous travaillons dans une entreprise, on voit qu'il y a mieux à côté, on essaye d'aller où ça peut se passer. Maintenant, le Canada est rentré depuis une quinzaine d'années dans une politique d'occupation de son sol, un vaste sol qui n'est pas occupé, qui a des ressources et qui ne demande que des populations à venir le développer. Donc, ils sont dans un projet, c'est organisé, c'est structuré, et croyez-moi, c'est pas à tout le monde qu'on donne le visa. Donc, on ne cherche pas là-bas des gens qui se sont perdus en Afrique et qui décident de se retrouver là-bas. On cherche des gens qui savent quand même ce qu'ils veulent, qui Oui. s'organisent, qui se projettent, qui se préparent et qui vont là-bas. Et la majorité de ceux qui vont là-bas légalement ont généralement un emploi, sont bien pris en charge et pour certains même reviennent ici. Donc je pense qu'il faut qu'on traite cette problématique d'une manière très équilibrée. Certains vont pour chercher un mieux-être, certains vont parce qu'ils sont désespérés de ce qui se passe chez eux. L'herbe est toujours verte chez le voisin, jusqu'à ce qu'on s'y rende et on se rend compte que c'est la même couleur chez soi. Et comme disaient les Ivoiriens, un morceau de bois en Afrique ne va jamais être un caïman au Canada. Merci, docteur. Paul Stéphane Manonga, sur le docteur, lui, il estime que l'Afrique, un, ne se vide pas. Je ne vais pas vous demander votre ressenti. On va d'abord ensemble essayer de dresser un profil de celui qui part. Et certainement aussi les motivations pour lesquelles il part, avant de questionner en filigrane l'offre ou alors ce qui le fait partir, Paul Stéphane. Non, moi de mon point de vue, je dis bien de mon point de vue, Oui. c'est une forme d'esclavage moderne. Esclavage Je vais moderne pour vous. m'expliquer. Quand vous prenez le commerce triangulaire, quand vous venez prendre les noirs, c'était pour le muscle. Oui. Ça veut dire qu'on est passé de l'esclavage du muscle à l'esclavage du cerveau. L'immigration, elle est choisie. On ne veut pas les analphabètes. On veut des gens
qui sont capables de produire. On est à l'ère de l'industrialisation ou de la révolution industrielle. Oui. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de quelqu'un qui a 2 mètres, qui est trop fort, mais on a besoin de quelqu'un qui allait à l'école, oui, qui peut permettre que le pays puisse maintenir sa dynamique. Et c'est très grave parce que on ne voit pas le manque à gagner des États africains. Oui. Parce qu'on ne dit pas à quelqu'un que pour qu'un État forme un individu jusqu'à ce qu'il ait de la, il ait une licence, l'État dépense énormément d'argent. Ça veut dire que l'État investit sur une ressource humaine et elle ne récolte pas le produit de cette ressource humaine. On est là dans une forme de néocolonialisme. Est-ce que nos États ont les capacités de pouvoir exploiter toute leur production? Lorsqu'il y a 20 000 bacheliers chaque année, près de 30 000 licenciés qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui vous empêche donc de mettre un système qui vous permet d'absorber les ressources que vous formez? Parce que c'est un argent que vous gaspillez. Autant mieux ne plus former des ressources et orienter cet argent ailleurs. Parce que je dis, prenez un individu de la maternelle jusqu'en licence, vous voyez l'argent que l'État dépense. Et après, quand il a cette licence, il est même formé, par exemple, à l'école normale. Vous voyez encore l'argent que l'État dépense. L'État finit de dépenser cet argent pour qu'il aille enseigner au Canada. À la fin, qui a perdu? C'est l'État africain. Cet État africain qui allait prendre cet argent au FMI, qui ne va jamais recouvrer cet argent. L'individu va aller servir le Canada. En réalité, le problème qui est posé dans le fond, c'est un problème des conditions de travail et des conditions de vie. Oui. Parce que quand vous prenez un A2 au Cameroun, qui est dans les 250 000 ou 300 000, qui préfère aller être plongeur au Canada, il faut se poser les questions. Vous n'allez pas lui donner tort. Pourquoi? Parce qu'en étant plongeur au Canada, il fait en 5 ans au Cameroun ce que l'A2 n'a pas pu faire en 40 ans avec ses 300 000 de salaire. Parce qu'il y a un proverbe boulou qui dit que ça vine vaille, qui n'aime pas le bien. Donc, nos frères qui s'en vont au Canada, aux États-Unis et j'en passe, vont à la recherche du bien-être. Oui. C'est donc à nos États de mettre des politiques publiques qui vont nous permettre de voir que notre pays peut aussi être le paradis. Oui. Parce que quand vous prenez quand même nos différents systèmes, on a questionné le monde du travail ici. Oui. Il y a beaucoup et nous l'avons fait à dessein. Justement, il y a beaucoup de gens qui travaillent, ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle le contrat de travail. Mais ils travaillent quand même pour quelqu'un. Avec ça, c'est très précaire. Du coup, ils préfèrent aller vivre une situation précaire dans un pays qui n'est pas son pays, oui, au lieu de vivre une telle situation dans son pays. Quand vous me posez la question, est-ce que nos États ont les capacités? Ils ont les capacités. Qu'est-ce qui nous empêche de cultiver le manioc et de faire la farine du manioc? Prenons le cas du Cameroun. On a eu les comices agro-pastoraux où on devait avoir les champs de manioc qui devaient faire qu'on n'importe plus le blé. Ça devait créer les emplois pour que les enfants ne partent plus justement en aventure. Mais on a mangé cet argent. Les tracteurs sont abandonnés. Le cas du Cameroun peut être dupliqué dans tous les pays d'Afrique. Oui. Les tracteurs sont abandonnés. Le champ de manioc, on ne voit pas. Tous les projets, on ne voit pas. Vous ne créez pas les emplois, vous voulez que les enfants fassent quoi? Vous ne créez pas des systèmes éducatifs qui créent la valeur ajoutée, vous voulez que les enfants fassent quoi? Qu'ils finissent de fréquenter, qu'ils croisent les bras, qu'ils regardent les minorités, qu'ils passent le temps à jouir de notre budget sans qu'ils ne fassent rien. Non, ils doivent chercher comment rentabiliser les investissements qu'ils ont faits. Donc moi je pense ici qu'on ne doit pas tirer sur ceux qui partent. Oui. On doit tirer sur nos États qui doivent mettre des politiques publiques qui vont nous retenir. Parce que c'est vrai, on va dire qu'on a les Chinois, les Portugais qui viennent ici. Mais j'ai envie de vous dire que généralement, ce sont les manœuvres. J'ai travaillé dans une entreprise où le directeur des forêts, il n'a même pas le CP portugais, mais c'est lui le directeur des forêts parce qu'il est blanc. Et l'ingénieur des eaux et forêts du Cameroun est le directeur adjoint des forêts. Ça veut dire que c'est l'ingénieur camerounais qui fait le travail. Mais le portugais manœuvre, qui ne connaît même pas écrit son nom, est directeur des forêts parce qu'il est blanc. Voilà les incongruités qui nous amènent justement à quitter notre pays. Donc moi j'ai envie de dire que c'est l'esclavage moderne. On est simplement passé de l'esclavage du muscle à l'esclavage du cerveau. Merci Paul Stéphane Menunga. Alors, Simon Messengue, est-ce que l'esclavage a muté de forme? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on serait surpris de voir un fonctionnaire à deux, un enseignant sorti de la prestigieuse école normale au Cameroun, quitter le pays pour aller justement se retrouver du côté de Ottawa où il serait plongeur.
on ne comprend pas pourquoi ça fait des choses. Un médecin formé au Cameroun, 7 ans, qui quitte le pays pour se retrouver plombier du côté de Washington. Est-ce que, à quel niveau est-ce qu'on a échoué pour qu'on puisse assister à ce constat effarant que les cas se multiplient devant nous, dans nos familles? On ne compte plus les départs en cascade. Qu'est-ce qui se passe, Simon Messinger? En fait, je pense que vous voyez l'échec partout. Vous voyez l'échec partout parce que, évidemment, on est dans la logique de la flagellation. L'Afrique est le continent majoritairement jeune. Donc, la population active est la plus grande dans le monde entier. Et pour le cas du Cameroun, qui a un taux d'alphabétisation, je crois, de 77, quelque chose, il fabrique des intelligences. Oui. Et il les exporte. Non, c'est pas le Cameroun qui demande aux gens de voyager. C'est la précarité qui fait voyager les gens. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter ces histoires de précarité et autres. C'est pas vrai? Premièrement, il faut noter que les pays du Nord sont des vieux pays, 400, 500 ans. Et donc le niveau de vie est naturellement bien plus élevé qu'un État qui a 60 ans. À peine. Alors, il faut être réaliste, il faut regarder les choses de façon froide. Vous savez combien la diaspora camerounaise apporte à ce pays? Il n'y a aucun, je dis bien aucun partenaire stratégique du Cameroun qui apporte autant d'argent de façon gratuite. Donc, ne pensez pas que toutes ces personnes-là sont attachées à leur terre. Et ils investissent. En 2018, la diaspora camerounaise... C'est bon, monsieur. Écoutez, parle la même chose. Écoutez, oui, nous parlons. Moi, je parle de ces Camerounais qui quittent le pays. Vous voulez parler de la diaspora qui investit. Le pays, c'est pas la même chose. Écoutez, ils vont et ils reviennent. Moi, je pose une question. Ils vont et ils reviennent. Je pose une question. Vous nous dites qu'il n'y a pas de lien. Ces gens vont pour ne plus revenir. Parfois aussi. Non. Sauf si tu meurs là-bas, 90% des cas reviennent. Tu meurs là-bas, mais disons une chose. J'ai dit en Afrique, le principal partenaire au développement, c'est la diaspora. Ah ouais. Le Cameroun a eu en 2018 250 milliards de francs. Nous sommes en 2023, non, c'est la Sénégal. Non, je parle, ce sont les chiffres de 2018 que j'ai. Vous pouvez voir que ça a même cru, ça a même augmenté. Le nombre de départs aussi a augmenté. Écoutez, les départs, vous parlez de départs. Ce matin, vous dites ceci. Vous allez explorer le monde entier, vous ramenez. C'est ce qui s'est passé au début. Quand vous entendez parler de, j'ai l'impression que on découvre l'immigration aujourd'hui. L'immigration existe depuis. C'est quand on vous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est là-bas que tout a été inventé. Tous ces gens-là ont immigré vers l'Égypte pharaonique pour apprendre et rentrer avec ses connaissances chez eux. Donc ce n'est pas comme si aujourd'hui. Parce que certains Africains vont là-bas pour avoir ce qu'ils n'ont pas ici et les ramener ici. Vous trouvez qu'en fait, c'est mauvais. On aurait pu mettre à disposition nos spectateurs. S'il vous plaît. Oui. Les images de ces Africains qui meurent par milliers. Nous ne parlons pas la même chose. Vous parlez de quoi? Je vous rappelle que le Canada dont nous parlons aujourd'hui, parce que c'est le prétexte, oui. Le Canada et l'Afrique ne sont pas reliés par la même Méditerranée. Tout à fait. Ça veut dire que les gens vont là-bas et la caution au Canada, c'est pratiquement 10 à 15 millions de francs. C'est pour ça que j'ai parlé légalement. Donc, il faut se dire une chose. Il y a des contre-exemples, notamment l'immigration clandestine, que nous devons rejeter. Mais l'immigration normale n'a pas de problème. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de Français vont aux États-Unis. Beaucoup vont aux États-Unis. Et donc, vous ne pouvez pas dire que non, c'est parce que si vous allez commencer à auto-flageller les gens, vraiment, il y a eu ceci, ainsi de suite. Il faut savoir capitaliser les choses. Nous sommes les fabricants, nous exportons la connaissance, nous exportons la matière première raffinée. Il faut savoir le faire. C'est moi, je pense que les Africains aujourd'hui doivent mettre les meilleures politiques et mieux vendre leurs produits. C'est ça dont il est question. Si le Cameroun forme de meilleurs enseignants, il faut maintenant voir comment, c'est-à-dire que comment ces enseignants doivent comment organiser l'immigration pour ces pays-là. Eh oui! C'est ça dont il est question aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire à des États qui ont une population vieillissante, dont les moyennes aussi les 71 ans, 72 ans.
de ne pas vouloir la matière première, la première matière première, ou du moins la première ressource qui est la ressource humaine. Et donc l'Afrique regorge. Je vous rappelle que 65% de la population africaine est à 18 ans. Ah oui! Et donc, c'est des choses, mais réfléchis même à dire que le postulat de M. Manunga qui pense que l'esclavage a muté, c'est plus l'esclavage jusque, c'est celui du cerveau. Non, ne parle pas. Non. Quand on choisit les médecins, il n'y a pas d'esclavage. Là-bas, c'est que. Attends, je vais parler d'argent. On vous dit que quand on prête 50 milliards de francs CFA, on nous met même parfois, vous voyez, le truc qu'on avait le FMI. On dit donc, vous avez pris 35 milliards, on traîne nos gens partout, ainsi de suite. Alors que la diaspora vous donne sa cash. Et ce n'est pas un prêt. Merci. Et donc, ça développe aujourd'hui. Le Mali, aujourd'hui, c'est 2000 milliards de francs CFA. Vous voyez un seul partenaire de banque au Mali, donner autant d'argent aux Maliens. Merci. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le problème ici n'est pas de combattre l'immigration normale. Le problème ici, c'est de mieux organiser cela afin que les moyens qui reviennent de cette immigration-là servent au mieux au développement des pays africains. Merci. Alors, monsieur le maire, je relais ici une contribution d'un idéologue de la classe politique française actuelle qui, pour ne pas le citer, Achille Mbembe, et pensait il y a quelque temps que les Africains doivent se purger, ce sont ces termes, du désir d'Europe. Ramener au contexte que nous mettons en lumière aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour que justement on n'ait pas ce départ en cascade, cet exode que nous constatons? On veut bien nous faire croire que la diaspora contribue, c'est vrai, elle contribue, mais avant qu'elle ne soit diaspora, elle est d'abord africaine. Ils sont d'abord africains, ceux qui partent. Alors, aller porter le développement dans un autre continent, est-il mieux que de rester chez soi pour travailler à l'émancipation ou alors à l'émergence de son propre continent? Comment est-ce que vous voyez, vous, en tant qu'acteur social, ce fait qui peut s'assimiler à un fait de société, mais qui à un moment relève d'une stratégie savamment pensée par l'Occident? Stéphane Barga, garantissez-moi que si je dis quelque chose, vous ne plaît pas, vous n'allez pas me couper. Je ne vous ai jamais coupé sur ce plateau, monsieur le maire. Je ne vous ai jamais coupé sur ce plateau. Je vais avoir la garantie que si quelque chose ne vous plaît pas, ne me coupez pas. Vous n'êtes pas là pour me plaire. Voilà, tant mieux. Si on est d'accord là-dessus, je prends la parole pour vous dire, vous avez pris le plus mauvais exemple au Canada. Le plus mauvais. Si vous parlez de Méditerranée, dont l'Europe, on peut comprendre. Et avant toute chose, il faut se poser trois questions. Qui immigre? Pourquoi? Et vers où? Et comment? C'est le 4. Si nous prenons le continent européen, je vais vous demander si vous savez à peu près ce qu'il faut pour participer, pour arriver. Ce n'est pas tous les pauvres qui immigrent. Ouais. Moi, je suis fils de pauvre. Vous ne pouvez pas partir d'ici, même en passant par le désert, si vous avez moins de 3 millions. Qui peut avoir 3 millions au Cameroun? Ce n'est pas les pauvres. Je ne demande aucunement les politiques publiques. Parce que je dis un peu comme ce que nous avons dit, lorsqu'on forme des gens, on dépense de l'argent, on devrait mettre des politiques pour utiliser ce monde, pour produire plus et donc créer plus de richesses et se partager. C'est le principe. Mais aucun État au monde, je ne parle pas de pays, je parle d'État. Oui. Aucun État n'a une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire que de tout temps, les gens vont immigrer. Ouais. Il faut le savoir. C'est un principe de liberté individuelle. Alors, vous ne faites pas le constat de ce départ, mais même autour de vous. Vous ne pouvez pas me canaliser, je suis désolé, vous ne pouvez pas. Non, je ne sais pas vous canaliser. Vous allez m'oublier, monsieur le maire. Mais vous ne pouvez pas me reprendre à tous les coups. Non, je ne vous reprends pas, ça va d'accord. Non, laissez-moi parler. Permettez que je vous relance sur des aspects qui sont... Je ne veux pas votre relance. Justement, je dois vous relancer quand même. Allez-y. Je dis, est-ce que ce départ, vous ne le constatez pas, à moins que vous ne viviez sur Mars? Stéphane Barga, je suis un fruit de l'immigration, moi. Vous voulez comme je vous le dise? Je dis, lorsque chacun envoie son enfant à l'école, il est en plan. Moi, mes enfants sont tous anglophones. Vous savez bien qu'il n'y a pas d'espace pour les anglophones dans ce pays aujourd'hui. Vous le savez? Il n'y a pas d'espace intellectuel. C'est un peu dur, monsieur. Non, c'est pas dur. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un enfant choisit d'être anglophone, ou le parent choisit pour lui,
En réalité, on avait les universités anglophones beaucoup plus en zone anglophone. Mmh. Qu'est-ce qu'on met d'anglophone, monsieur le maire? Ah, mais attendez. C'est un baga. Oui, c'est ça. C'est... Il faut faire attention. Depuis la crise anglophone, on a eu beaucoup de gens universitaires anglophones qui sont de notre côté. Mais avant, on savait que si un enfant avait un bac anglophone, un avancé élevé, il allait où? Bouya. Il allait à Bouya. Il allait à Bambili. Maintenant que ce n'est pas possible, donc en fait. Il y a Yaoundé 1. Yaoundé 1 ou Yaoundé 2 pour faire les filières que mes enfants ne font pas. Moi, je ne vais jamais avoir mon enfant faire l'être bilingue moderne. Je suis désolé. Même les sciences expérimentales. Disons. Permettez. Donc, la deuxième chose, c'est que. On ne peut pas donner le petit public. Hein. Nous n'avons rien fait pour utiliser le personnel conforme. Mais au-delà de ça, même si on le faisait, je vous dis une chose. Le Canada crée chaque jour 20 000 emplois. Chaque jour que Dieu a créé. Ils ont un programme d'attraction des gens qui peuvent travailler. Pas seulement les cerveaux. Parce que j'ai entendu ici, ce n'est pas vrai. C'est pas seulement les cerveaux. C'est pas seulement justement. Les cerveaux. Le Canada a même besoin de muscles. Oui. C'est pas seulement les cerveaux. C'est un programme qui est fait de manière qu'en réalité, on n'arrive même pas à remplir le nombre de gens qu'ils veulent. C'est ça le problème. Et du coup, ceux qui émigrent cherchent le bien-être intellectuel et même social. Vous ne pouvez pas leur empêcher. Maintenant, la quote-part des gens qui vont illégalement vont pour plusieurs raisons. Moi, j'ai vu un ancien candidat à la mairie de Douala 4e qui pleure aujourd'hui dans le désert du Mali. Non, c'est vrai. Comment vous voulez être maire dans votre pays lorsque vous échouez pour la route de l'exil? Vous avez dit que c'est la politique. Non, j'ai dit quelque chose, il faut qu'on soit honnête. Oui. En même temps que le gouvernement doit s'arranger avec les gens qui sortent de leurs écoles, au même moment, vous ne pouvez pas faire une barrière pour que les gens ne sortent pas. C'est pour ça. Les pays ont des rapports diplomatiques entre eux. Quand vous entendez visa, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de partir quand vous pouvez, c'est pas quand vous voulez. Maintenant, confondre tout pour croire que ceux qui vont sont dans l'esclavage, non. Maintenant, les pays qui organisent les programmes pour faire venir les gens vers eux, ils peuvent effectivement être comme Nunga dit, qu'on cherche du personnel pour nos plantations, comme c'était avant, pour nos scieries et autres. Mais rassurez-vous également, pour ces femmes Nunga. Moi, je connais des enfants ici, je dis enfants, c'est une manière de parler, hein, qui avaient des salons de coiffure pour les femmes, dont les chiffres d'affaires tournent autour de 10 millions par mois, mais qui ont tout vendu, qui sont le désert aujourd'hui. Parce que nous avons conservé, j'ai acheté un bébé, on a conservé le complexe, que les gens pensent qu'au lieu de cultiver la terre chez soi, il vaut mieux aller couper les ongles des autres, des blancs chez eux. Donc il faut se décomplexer. Vraiment. Moi j'ai dit, il ne faut pas seulement accuser les politiques publiques, il faut que nous-mêmes, il faut revoir le système éducatif. Parce que je rappelle que, qu'est-ce qu'on nous apprend dans nos lycées et collèges? Qu'est-ce qu'on apprend à l'université? Et ça peut servir à quoi dans nos pays? C'est le problème. C'est-à-dire, lorsqu'un pays veut se développer, il adresse ses problématiques de développement, qui sont d'autres économiques, d'autres scientifiques et autres, après former les gens pour ça. Mais nous avons la plupart. Je vous demande, si vous avez 3000 licenciés en sociologie, est-ce que le Cameroun a les moyens de les utiliser? Je dis non. Pourquoi allez-vous enfermer un sociologue qui n'a pas d'espace au Cameroun pour travailler et donc s'épanouir, d'aller au Canada, d'aller aux États-Unis? Mais je rappelle qu'on n'y va pas. 90% de ceux qui vont au Canada, en Amérique du Nord, ils vont légalement. Et donc il n'y a pas de problème. C'est ceux qui se retrouvent dans la Méditerranée, qui font semblant dans le désespoir. Je dis, ils font semblant. Parce que je dis encore, le seul pays, parce que j'ai mon pays, hein, l'un des rares pays au monde où il faut seulement se courber pour ramasser l'argent, c'est le Cameroun. Vous savez pourquoi? Nous passons le temps à regarder Paul Biya et ses ministres. On ne se regarde pas, je rappelle, j'ai entendu une politique juvénile ici. 80% de la force populaire ont moins de 45 ans. J'ai entendu ce que les vieux qui dérangent. Faites les statistiques pour Mounouka. Regardez, du chef de bureau, au chef de service, au sous-directeur, au directeur, ils ont pour la plupart moins de 50 ans. La minorité qui est au-dessus ne peut pas entraîner complètement les autres. Ça veut dire qu'il faut savoir que nous cherchons nos leaders parmi, enfin vous, hein, parce que c'est votre génération, vous cherchez vos leaders ailleurs, ils sont parmi vous. Le problème du Cameroun, le problème de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Il faut donc, au-delà des politiques publiques, se dire que lorsque je vais à l'école, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour animer les débats à la télé? Est-ce que c'est pour me servir de ce que j'ai appris à l'école pour être... Je rappelle que celui qui a été à l'école, oui, sorti. Même s'il fait le vin de Paris, il le fait mieux que celui qui n'a pas appris. Lorsqu'un agriculteur le fait mieux. Donc le problème aujourd'hui, c'est que
Nous sommes dans un complexe qui nous sert véritablement à rien. Je comprends très peu que des gens normaux qui avaient des entreprises ici les aient vendues, ou face bleue, pour aller souffrir. Parce qu'ils ne veulent pas affronter la vie. Je rappelle que les crises sont l'occasion idoine pour les hommes intelligents de trouver leur voie. Malheureusement, nous ici, on fait comme les Africains. Vous savez comment les Africains font ? L'Africain fait. Lorsqu'il pleut, il s'abrite, il attend la fin de la pluie. Vous savez comment l'Asiatique fait ? Lorsqu'il pleut, il prend le parapluie et entre dans la pluie. Merci. Nous sommes en crise. Merci. C'est le moment pour les Africains, et ça, il faut leur dire, d'attaquer nos problèmes et les affronter. De manière qu'on voit ce qu'on a fait. Parce que moi, j'ai dit. Non, monsieur le maire, merci. Que vous allez je reviens vers vous. Non, vous n'allez pas finir. Vous n'allez pas finir. J'ai dit ce qui ne vous plaît pas, je savais. Non, vous n'avez pas le choix stratégique. Merci, merci. Je savais. Permettez aussi qu'on puisse. Je savais. S'il vous plaît, monsieur le maire. Vous êtes quand même une émulation sur ce plateau. Je savais. Alors, les téléspectateurs réagissent à ce que vous avez dit, docteur Jean-Moïse Mbok, mais en plan, une réaction qui va concerner d'abord monsieur Simon Messinguer, et la réaction, que dit-elle? Elle dit, le discours de Simon est aux antipodes de la politique gouvernementale, car de nos jours, pour les fonctionnaires, il leur faut l'autorisation de sortie du pays afin d'aller à l'étranger. Malgré cela, il faut souligner que le niveau de vie est très bas, le taux de chômage est très élevé. Par conséquent, la plupart des jeunes ont pour ambition de sortir de ce pays, fussent-ils fonctionnaires ou chômeurs. Merci à vous, monsieur Bertrand Mbara. Bonsoir Stéphane, bonsoir sur le plateau. Monsieur Stéphane Braga, vous poserez cette thématique 1000 fois sur la table de débat et 1000 fois on vous dira que cette thématique fait le procès de l'échec des politiques publiques et par extension de la gouvernance en Afrique. Monsieur le maire, le programme éducatif fait partie des politiques publiques. Merci à vous, Vincenzo Guidjoy, pour la contribution. Bonsoir Stéphane. Oui, l'immigration africaine en général et camerounaise en particulier trahit clairement l'échec des politiques publiques locales. Il y a en effet urgence à moderniser la gouvernance de nos États qui passe par un renouvellement ou le rajeunissement des classes dirigeantes. D'ailleurs, ne cessera pas d'être attractif si les dirigeants locaux ne conçoivent un modèle incitatif et donc dissuasif. Le raisonnement de M. Messinguer au sujet de la précarité entretenue par les gouvernants est totalement inopérant. Paul Stéphane a dit fort à propos que chacun de nous aime ce qu'il y a de bien et de bon. Je renchéris en ajoutant que la faim chasse le loup hors du bois. Il n'est pas sûr que M. Messinguer roule sur de l'or. S'il avait la possibilité d'aller au Canada ou aux États-Unis, il ne cracherait pas dessus s'il est honnête envers lui-même. Merci à vous pour... pour voir comment ces gens vivent. Bonsoir. Le Cameroun ne dispose pas encore d'un document de politique migratoire nationale. Les politiques migratoires restrictives des pays du Nord et le durcissement des conditions d'octroi de visa ont contribué au développement des flux migratoires vers l'étranger depuis le Cameroun. Les migrants camerounais recourent à diverses stratégies pour prendre en charge leurs déplacements, notamment en utilisant leur capital social ou en empruntant la voie saharienne. Les politiques publiques en vigueur pour l'immigration africaine au Cameroun sont en cours de développement et sont influencées par des considérations nationales et internationales. Merci à vous, Florent Lonti, pour la contribution. Que faire alors qu'elles arrivent? Bonsoir panel de Ouro Africa, je suis vraiment désolé et très déçu de la malhonnêteté intellectuelle de certains personnels des entreprises publiques privées qui démontrent de l'incompétence professionnelle et intellectuelle et à l'éthique et la déontologie professionnelle et administrative. Comment comprendre qu'une grosse boîte comme la dite société parapublique fasse honte dans toute l'Afrique avec de telles bévues très élémentaires, dont Stéphane a parfaitement raison, d'une part, et d'autre part, la CNPS traite aussi les dossiers selon les têtes des pensionnaires. Je suis monsieur Alphonse Ayi Essomba depuis Evouzok par Bipindi. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir signé votre contribution qui se termine par une grosse interrogation sur la CNPS. Salut le plateau, il faut être honnête. L'immigration est un échec des politiques publiques. Point final. Gueke Bernard depuis Kouza. Un petit tour vers une autre plateforme de Info TV. Bonsoir, monsieur Mbaga et au panel de Ouro Africa. Belle émission.
Monsieur le journaliste Félix Laroubadis, il dit vrai sur la recherche de la jeunesse, mais pas seulement des cerveaux, mais aussi des muscles, car je ne suis pas sûr qu'ils ont besoin des bacs obtenus à 7 de moyenne et des examens électoraux, sans oublier OTS depuis des années. Merci pour la réflexion. Bonsoir, le plateau. Notre pays favorise l'immigration. Merci à vous. L'Afrique, c'est vite. Les politiques publiques ont échoué et c'est ce qui arrive dans les pays où on passe le temps à enseigner aux jeunes citoyens l'histoire, la géographie, le mode de vie et la modernisation d'outre-mer. Quand il en revient de parler de l'Afrique, on la présente comme un collier d'échecs. Merci. Alors, on va s'arrêter là, Dr Jean-Moïse Mboksi. Sinon, on ne ferait que ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression, justement, et c'est ce qui ressort des différentes contributions, que le gouvernement ou alors les gouvernants africains peinent à vendre un rêve aux Africains? À quand est-ce qu'on parlera de l'African Dream, comme on parle de l'American Dream, et peut-être aujourd'hui du Canadian Dream? L'Afrique peine à trouver son African Dream. Est-ce que l'African Dream est possible sur ce continent lorsque l'on sait, et les dernières félicitations présidentielles nous le font savoir, que la plupart des personnes qui ont été félicitées par le chef de l'État au Cameroun, malheureusement, sont hors du continent? Bon, il a ses critères de félicitations. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne m'y connais pas du tout. Je vais simplement dire ici qu'il faut quand même dire ici qu'il n'y a que nous qui sommes surpris par ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais l'Occident a très bien pensé son projet. Les politiques éducatives ont été, depuis les années 60, ont été pensées par l'Occident. Oui. Et il formait la main-d'œuvre. Et je rejoins Simon Metzenguer. Il formait la main-d'œuvre de 2000, sachant que leur population, je me dis, hein, ils ont réfléchi parce que eux, ils mettent 1000 cas de figure sur la table et prennent le bon cas selon comme ça évolue. La population est vieillissante, oui. Elle décline. Alors, dans 15-20 ans, ces gens-là, si on les laisse développer les politiques éducatives par eux-mêmes, ils vont être pertinents comme nous le sommes depuis pratiquement 10 ans avec la formation professionnelle. Parce qu'on a compris que tout ce qu'on nous enseignait, ce n'était que du pipeau, ce n'était pas cohérent avec ce qui nous arrangeait, nous, dans nos projections. Mais eux, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'ils ont passé le temps à nous enseigner leur géographie, leur histoire, leur science et tout. Eux, ils savent se projeter et le développement, c'est de bonne guerre, Stéphane. Ceux qui se lèvent le matin et qui pensent à leur développement vont vous duper. C'est comme les affaires, c'est comme le sport, c'est comme celui qui s'entraîne le mieux, qui réfléchit le mieux, très souvent finit par prendre le dessus sur les autres. Docteur, vous faites bien, très bien même, de pointer du doigt la mutation de notre formation. Mm-hmm. Je me souviens, à l'époque, nous aussi, on a fait quelques tours du côté de soi, où justement, on lançait le triptyque, licence, master, doctorat, système LMD. LMD, oui. Aujourd'hui, nous sommes quelques années plus tard, est-ce que cette orientation, cette vision a répondu aux attentes? Je me souviens encore, on avait invité sur la table des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, des capitaines d'industrie qui dessinaient un profil de ce qu'ils recherchaient au niveau de l'intelligence, au niveau de l'université. Aujourd'hui, on a l'impression, et malheureusement, ce que nous constatons dans nos villes nous prouve que peut-être, à ce niveau encore, peut-être il y a eu un acte manqué. Oui, il y a eu un acte manqué parce que simplement on s'est levé, on a commencé à réagir au lieu d'agir. L'Afrique doit à un moment donné s'arrêter. S'arrêter, comme certains États l'ont fait, et réfléchir à son développement. Et ça passe donc par une formation adéquate. C'est pour ça que je dis que, quoi qu'on dise, il faut quand même dire que nos États ont pris conscience. L'État du Cameroun, avec la création du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, a commencé à réfléchir sur les métiers manuels, par exemple. Parce que dites-vous bien que quand il fallait arranger la voie ferrée, il fallait toujours qu'un type nous vienne de je ne sais pas où. Pourtant, on a du potentiel ici. Vous avez des gens qui étaient à la régie ferrée comme depuis des siècles, tout ce qu'ils savaient faire, c'était récurer du fer, nettoyer, balayer. Mais on ne leur montrait aucune technique concrète, oui, pour pouvoir entretenir ou développer ces métiers-là. On a bien compris avec l'évolution que ces gens ont pensé cette politique éducative, mais
on a produit aujourd'hui un bon nombre d'intellectuels qui sont inopérants sur notre terre. La réalité, elle est là. Ça fait donc que maintenant... C'est vrai ce que vous dites. Non, c'est vrai. C'est vrai. Nos intellectuels ne servent à rien. Non, je n'ai pas dit qu'ils ne servent à rien. Ils sont inopérants. Ils sont inopérants dans notre nouvelle logique de développement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le chef de l'État plaide pour l'industrialisation. Il faut aujourd'hui que nous... Et j'ai salué le Made in Cameroun d'entrée. Oui. Parce qu'à ce niveau, c'est vraiment des travaux manuels. Et l'échelle est en train de monter. Si vous voyez le travail qu'ils font, mais c'est excellent. Ils emballent bien, ils font des bons produits et qui sont bio. Il faut donc pouvoir les développer. Ça demande une expertise. Depuis pratiquement 10 ans, on est en train de travailler à l'expertise de manière pratique et concrète pour le Cameroun. Mais avant, vous avez des gens qui aujourd'hui ont des licences, ont des masters, ont des doctorats en lettres modernes françaises. Spécialiste okay. de Rousseau. Spécialiste de Rousseau. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Il va trouver un emploi de son acabit où, dans le contexte actuel. Ce qui fait donc que ce qui se déploie vers l'étranger avec ce profil-là, c'est bien pour leur famille, c'est bien pour eux-mêmes. Mais on a en face de nous des gens qui ont pensé ça, qui ont organisé ça, qui ont projeté ça. C'est à nous aujourd'hui, au lieu de le tomber dans l'autoflagellation. J'aime bien cette expression-là, parce que l'Africain, et je cite tout le temps Senghor qui a dit que l'émotion est nègre. On aime bien ça. Quand ça ne va pas, on se met à pleurer, on s'enroule au sol. C'est pour ça qu'on a des pleureuses professionnelles. Vous savez, vous avez votre deuil, elle connaît la personne dans l'IDF, eh bien, elle pleure plus que tout le monde, parce que c'est naturel, c'est inné. Il faut aujourd'hui que l'Afrique arrête de pleurer sur son sort, mais commence à réfléchir sur son sort. Alors, qu'est-ce qu'on veut dans 5 ans, dans 10 ans? On va... Ouh. On rentre donc, on parlait, M. Menunga, de transfert de technologie. Vous montrez que ce n'est pas vrai. Ça n'arrivera jamais. Il faut qu'on envoie nos intellectuels là-bas. Après. C'est ce que la Chine a fait. Hein. Ils n'ont pas fait la magie. Ils ont envoyé leurs intellectuels. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Europe et les États-Unis. Quand ils viennent ici, ils nous envoient des manœuvres. Une fois de plus, l'Africain doit comprendre que nous sommes dans un monde qui se développe. Et chacun va défendre sa chapelle. Il y a l'African Dream, mais il faut à ce niveau, et c'est vraiment un plaidoyer, que les jeunes et les vieux apprennent à s'asseoir pour l'intérêt de l'Afrique, pas pour l'intérêt d'un poste. Parce que c'est le problème qui va nous maintenir dans le gouffre. Quand les jeunes vont dire aux vieux, vous devez partir. Quand les vieux vont dire, ils veulent nous chasser. On n'ira nulle part. Il faut qu'on crée des plateformes de dialogue où on échange entre nous, Africains, pour réfléchir à nos solutions, mais entre-temps, ceux qui ont des diplômes compliqués vont les utiliser où ça peut s'utiliser. Merci, docteur. Ce qui reste ici, permettez-moi de chuter avec ça, ce qui reste ici, s'il vous plaît, le terrain est ouvert, l'espace est ouvert. Ne passez pas le temps à dire que l'État n'a pas fait, l'État a fait. Réfléchissons autrement à chercher des solutions locales. Ceux qui trouvent des solutions ici, Stéphane, ne font pas la magie. Ils sont juste résilients. Ils cherchent et ils finissent par trouver. Nous n'avons pas l'impression que tout est noir, tout est sombre, rien ne marche chez nous. Il faut qu'on arrête ça. Disons-nous. Personne n'a dit sur ce plateau, mais le constat est là pour Stéphane Menunga, que justement, ce ne sont pas les plus de 50 ans qui partent, c'est la jeunesse qui part. Et vous avez conceptualisé de façon claire ces départs-là avec cette fuite ou alors cet esclavage des cerveaux que vous avez dénoncé sur ce plateau. Je reviens un peu sur la question que j'ai posée au Dr Jean-Moïse Mbok. Est-ce que l'African Dream est possible dans ces conditions où on forme des licenciés en lettres modernes françaises? Qui travaille, qui conçoit, lorsqu'on chante Rousseau à longueur de journée? Ce sera possible si on change fondamentalement le système éducatif africain et même les systèmes de gouvernance, parce que l'Afrique n'a déjà pas son éducation. Mm-hmm. L'Afrique a l'éducation de l'autre. Aujourd'hui encore? Oui. Aujourd'hui encore, c'est vrai. L'Afrique n'a pas son éducation. La finalité de l'éducation, c'est de résoudre les problèmes d'une société. Très bien. Quels sont les problèmes? Prenons le Cameroun. Quels sont les problèmes du Cameroun? Est-ce que c'est de bien parler français? Ou de savoir, ou de connaître l'histoire de Mao Tse-Tung, de Chiang Kai-shek et de Mussolini? Ce n'est pas ça le problème du Cameroun. Justement, le problème du Cameroun, c'est de créer les emplois. C'est de permettre que les gens puissent payer un régime de planton au marché à 1000 francs. Voilà nos problèmes. Ça veut dire qu'on doit repenser le système éducatif camerounais. Au lieu de fabriquer 6000 licenciés comme soit fabriqué par un endroit,
autant mieux fabriquer 15 000 licenciés en agriculture. Même pas. Avec des spécialités. Des bacs techniques. Oui, en agriculture. Avec des spécialités, ça veut dire, moi, je suis spécialisé dans le plantain. Quand on me donne 100 mètres carrés, je suis capable de vous produire le plantain sur 100 mètres carrés et vous êtes impressionné. Au lieu de très bien parler français, d'accorder l'adjectif qualificatif, on n'a pas besoin de ça actuellement en Afrique. Et qu'on les finance, justement, qu'on les appuie sérieusement. On n'a pas besoin de ça actuellement en Afrique. Et on doit sérieusement combattre l'immigration. Je vais vous dire pourquoi on doit combattre l'immigration. Parce que les gens ne voient pas le danger qui se cache derrière. Il y a, j'aime bien cet auteur en management qui dit que les ressources humaines ne sont pas les ressources les plus importantes d'une entreprise. Elles sont l'entreprise. Les ressources humaines ne sont pas les ressources les plus importantes d'un État. Elles sont l'État. Vous pouvez avoir toutes les ressources dans votre pays. Si vous n'avez pas la bonne ressource humaine, vous n'allez jamais optimiser les différentes ressources que vous avez. Mais quand on vient donc piocher les bonnes ressources que vous avez passé le temps à former, c'est pour que vous continuiez à vendre vos ressources de façon brute à ceux qui viennent prendre vos ressources. Donc on doit sérieusement dénoncer l'immigration, qu'elle soit clandestine ou légal, parce que vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos meilleures ressources et penser que vous allez développer l'or ou le fer du monde. Mais si on est en incapacité de les consommer, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, l'Afrique n'est pas en incapacité. L'Afrique a un seul problème. Et ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes ici quand je vais le dire. On a besoin de se débarrasser des dirigeants de la néocolonie, simplement. Quand on va se débarrasser des dirigeants de la néocolonie, et qu'on va avoir à la tête de nos États des véritables panafricains. Parce qu'il y a des panafricains de situation. Ça veut dire, quand il est menacé par la communauté internationale, du jour au lendemain, il y a panafricains, il vous dit qu'il faudra sortir du franc CFA. On ne veut pas les panafricains de situation. On veut les vrais panafricains. Une fois qu'on aura les vrais panafricains, on sera capable, en zone CEMAC, de créer un marché commun. Paul Stéphane, en une minute. Comment est-ce qu'on peut distinguer un vrai panafricain d'un faux, à part la pression internationale? Je prends souvent l'exemple de la naissance de l'OUA. Prenez seulement les piliers que l'école d'Nkrumah ont défendus. C'est par là qu'on reconnaît un vrai panafricain. Tu es d'accord qu'on ait notre monnaie? Tu es d'accord qu'on ait un marché commun? Tu es d'accord. Dès qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas un panafricain. Et on connaît tous ceux qui ne sont pas d'accord. Et on connaît tous ceux qui n'ont jamais soutenu cette thèse. Dès que vous n'êtes pas d'accord pour un marché commun, vous n'êtes pas d'accord pour une monnaie commune, vous n'êtes pas d'accord pour une intégration politique, vous n'êtes pas un panafricain. Parce que le panafricanisme ou l'unité de l'Afrique ne signifie pas qu'on va parler une langue où il n'y aura plus des tonnes de bassa et je ne sais pas trop quoi. C'est une unité sur la base de certains instruments. Donc je sors donc en disant qu'il faudrait aujourd'hui que l'Afrique se repense profondément et qu'elle lutte contre l'immigration. Parce que vous ne pouvez pas laisser vos meilleures ressources. Si on prend même le cas de l'enseignement ou des médecins, on est quand même dans un pays où on va vous dire, selon les chiffres de l'OMS, qu'il n'y a pas beaucoup de médecins au Cameroun, le taux de couverture. Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de médecins, mais vous mettez encore un système qui fait que vos médecins sortent. Ce n'est pas un paradoxe. Ça veut dire que vous avez échoué quelque part. Vous n'avez pas beaucoup d'enseignants. Ça veut dire qu'il y a des endroits où les enseignants formés, on ne les retrouve pas. Ils ne sont pas très nombreux. Mais vous mettez quand même un système de politique publique qui fait que les enseignants qui ont été formés par l'agent du contribuable. Ça veut dire que ma mère qui a vendu ses beignets, elle a payé le savon. Ce sont les impôts là qui ont permis que l'école normale forme l'enseignant qui doit m'enseigner. Au lieu qu'il m'enseigne, il prend encore son rappel et il va encore avec son rappel dans un autre pays. Ça pose quand même un problème fondamental que certains panélistes ici refusent de voir. Je rappelle rapidement que les enseignants aujourd'hui, c'est fermé. Merci. Alors, Simon Messingué, il ne faudrait pas que le meilleur de nos compétences en aille. Mais comment faire lorsque, à longueur de journée, on vous parle d'Access Canada, on vous parle de la loterie américaine, où on voit des familles s'aligner dans nos quartiers, où on vous parle de Cominada, grand renfort de communication. Est-ce que le gouvernement n'est pas complice lorsque ces gens se promènent dans nos quartiers et vendent un certain rêve à nos jeunes et parfois même à nos intellectuels, plus grave encore? Vous savez, Stéphane, il y a le diptyque d'un enfant adopté, ou du moins d'un parent qui a adopté un enfant, et un parent qui a son enfant. Quand vous avez un enfant adopté, vous savez qu'un jour il va vous quitter.
sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les Africains qui devraient célébrer l'immigration choisis sont dans la logique du déni. Nous fabriquons des cerveaux. Pour qui? Pour nous et pour le monde entier. Oh. Oui, je vous prends un cas de figure. Allez-y. Ce serait scandaleux aujourd'hui de trouver un préfet blanc au Cameroun. Mais en France, il y a des préfets qui sont même camerounais. Le préfet camerounais de France a été formé à l'INAM du Cameroun? Écoutez, même s'il a été formé... Il n'est pas camerounais. Il y a certains même qui ont été formés à l'INAM. Il a grandi en France. Il est camerounais. Il a un passeport. Dernièrement, il y a un juge, je crois, un juge qui a été recruté aux États-Unis comme juge de, je crois, Nations Unies. C'est un produit de l'INAM. Il faut... Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne doit pas célébrer. C'est en ce moment qu'il faut célébrer l'Afrique. Vous avez des gens qui aujourd'hui, hier, nous prenaient comme des tirailleurs, des gens qui ne savaient rien faire. Aujourd'hui, nous viennent puiser la ressource en Afrique. Et vous dites que... Et vous avez honte de dire ça. Lorsqu'ils puisent la ressource, est-ce que l'Afrique se développe? Écoutez, est-ce que l'Afrique se développe? Écoutez, oui, oui, je vais vous dire. La technologie s'est démarrée, c'est Camerounais qui a développé aux États-Unis. Le Canada, les États-Unis développent le continent. Je vous parle en cas de figure. Allez-y. Il y a 3 ou 4 ans, on avait des points pour prendre des taxis. C'est-à-dire que vous attendiez un taxi là. Maintenant, pendant que je suis là, j'ai à commander au taxi. Il attend. Et je sais qu'il attend, je connais son numéro, j'entre, je m'en vais. Oui, c'est-à-dire quoi? C'est ce qu'on a vu en Europe, non? Oui. Et c'est qui, déjà ici. Vous croyez que qui a exporté ça ici? Non, monsieur Metsenguer. Non, mais écoutez, c'est sérieux. Non, 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 écoutez, non. J'ai un problème avec vous. C'est que vous êtes dans la logique du déni. Même quand vous voyez les réalités. Cette offre technologique dont vous parlez n'est pas de l'apanage d'un Camerounais. C'est un service qui est répandu sur le continent. C'est un service russe. Écoutez, on n'a pas fait la publicité. La vérité, c'est quoi? C'est que vous êtes dans la logique. Vous avez dit que vous êtes dans la logique du déni. Parce que les comportements russes, américains, ne sont pas les comportements camerounais. Ça veut dire que la personne a préalablement, appris. Ou du moins mis en place les comportements camerounais en matière de taxis et autres pour l'adapter. C'est ça dont il est question. Donc, il faut regarder les choses avec optimisme. Simon, mais c'est bien. Est-ce que vous avez ma question? Oui. La question de ce marketing agressif qui est exposé. C'est en notre faveur. Comment c'est en notre faveur. Je vais vous dire une chose. Si 5 enseignants vont au Canada, L'école normale de Yaoundé et de Gaoundé nous produit 2000 enseignants par an. Et on va davantage, avec la distanciation, on va davantage le faire. Parce que nous avons une ressource qu'ils n'ont pas. Nous avons la ressource humaine. Ils n'ont pas parce que leur population est vieillissante. Et donc, vous êtes dans la logique. En fait, vous êtes comme on dit souvent, parce qu'il y a un adage chez les bêtis qui dit que vous êtes comme un fou qui attend que la rivière finisse de passer avant de passer. Parce qu'en fait, vous pensez que la natalité est très forte en Afrique. Et donc, nous avons la ressource qu'ils n'ont pas. Ils ont une population vieillissante. Et ils sont obligés, ils sont contraints de venir chercher la ressource s'ils veulent que leur pays soit pérennisé. Nous, on n'a pas un problème de pérennité de notre pays. Attendez, il y a 400 ans. Attendez. Pour développer l'Amérique. Non, écoutez. C'est la même chose. Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même contexte. Écoutez très bien. C'est le même prétexte. Écoutez très bien. Retenez une chose. Qu'est-ce que nous avons? Quand vous voulez résoudre un problème, demandez qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Il a dit que ce n'est même pas la ressource. Nous, on a ce qui peut pérenniser leur pays, mais qui ne sera jamais eux. Ça veut dire que, en fait même, ce qui se passe là, c'est pour ça que j'aime le Canada. Ma deuxième nation que j'aime bien, c'est pas le Canada, l'Israël. Après le Cameroun, c'est Israël. La puissance d'Israël vient de sa diaspora. Mmh. Les Juifs sont partout. La puissance vient de sa diaspora. Vous ne pouvez pas attaquer Israël. Pourtant, c'est un petit pays sur le plan... géographique. Sur le plan de la tête là. Ils sont partout. Même au Cameroun, ils sont. Un ministre avait tenté. Ah, stop. Vous ne parlez pas comme ça à Israël. C'est sa diaspora. Et donc, il faut arrêter de stigmatiser ce qui peut porter l'Afrique au final. Vous encouragez cette communication qui voudrait que l'Afrique se vide au profit de Canada. L'Afrique ne peut pas se vider. L'Afrique ne peut pas se vider. Se vider on vous dit ceci. Pour qu'un continent se vide, il faut qu'il soit
vieillissant. L'Afrique, c'est en 2050, l'Afrique sera certainement le continent le plus peuplé. 65% de la population jeune au monde. Et donc, vous avez un pays comme le Cameroun, où la moyenne d'âge est de 18 ans, 18-5 ans, avec un pays qui a la moyenne à 71 ans. Et vous venez dire que, en fait, prendre 2% de ce que nous produisons est vider l'Afrique. Non. Non. Vous avez, on a des enseignants, d'ailleurs, par exemple le primaire. Le primaire aujourd'hui, vous savez combien les énièges sortent en termes de personnes bien formées, avec le KPM, qui chôment. Ça veut dire qu'en fait, il faut vendre cette matière première. Vous ne voyez pas la faillite des politiques publiques. Je prends un exemple contraire. Oui. Vous connaissez que Paris Smith, vous le connaissez? Qui? Paris Smith. C'est qui? C'est un basketteur américain qui a choisi, qui a signé la nationalité pour venir au Cameroun. Moi, je connais Joel Embiid qui a choisi de jouer avec les États-Unis. C'est donc pour vous dire, ici, il faut donc comprendre une chose. Chaque fois qu'il y a un besoin quelque part, la population va migrer. Mais ce qu'il faut savoir, comment les Africains contrôlent, c'est la question qu'il faut se poser. Comment les Africains contrôlent leur diaspora afin que cette diaspora leur soit profitable? C'est ça, donc, c'est la vraie question. La question n'est pas de dire on va arrêter quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Merci. Maintenant, c'est de dire que le Sénégal, comme le Mali et autres, les pays comme le Cameroun et autres doivent déjà mettre en place des canevas de contrôle afin qu'ils bénéficient plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Merci Simon Messengue. Monsieur le maire, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait pour que la saignée s'arrête, tout simplement? Même si pour vous, elle ne peut pas s'arrêter. Elle ne doit pas s'arrêter. Sauf qu'elle ne doit pas être une saignée. J'ai dit qu'aucun État ne doit rester une prison à ciel ouvert. Non. Moi, quand j'ai entendu quelque chose qui m'a secoué ici, qu'on a arrêté la possibilité pour les enseignants de sortir, non. Vous ne pouvez pas arrêter la recherche du bien-être de l'enfant. On va chercher ailleurs ce qu'on a. C'est très régulé maintenant pour les enseignants. La régulation, je suis d'accord, mais vous ne pouvez pas interdire aux gens de chercher mieux, de mieux vivre ailleurs. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais dire, nous en économie, on dit qu'on adresse d'abord les politiques de développement. Le reste est aligné à ça. Les études qui ont été faites par les chercheurs camerounais prouvent que le Cameroun est un pays essentiellement agricole, pastoral, un peu minier. Minier. Lorsque vous écoutez le discours du chef de l'État camerounais, il mise sur l'agriculture et les mines aujourd'hui pour développer le Cameroun. C'est ça qu'il faut capter pour nous dire, mais attendez, est-ce qu'un pays agro-pastoral peut se développer sans passer par l'industrie agricole qui va créer les services financiers et qui vont refinancer l'économie? C'est le triangle économique. Vous ne faites pas ça, vous mourrez. Le danger, je rappelle, lorsqu'on voulait faire le pipeline ici, on voulait des soudeurs homologués. On n'en a pas. On n'en a pas. Enfin, on en a je prends le cas du pipeline qui devait servir d'école. Si vous voulez faire l'industrie, il faut un ensemble de gens que nous n'avons pas encore formés. Si on reconstruit un nouveau pipeline, on aura le même problème. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des soudeurs homologués ailleurs qu'ici. Mais je passe à vous disant qu'est-ce qu'il faut faire. L'Asie qu'on célèbre aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait? Aucune magie. L'Asie a financé l'immigration pour aller chercher la connaissance, la technologie et la ramener. Vous ne pouvez donc pas vous fermer. Donc le problème aujourd'hui, c'est quoi? Si nous sommes conscients que demain, ce sera l'agriculture, le président de la République dit transformation sur l'économie, c'est-à-dire passer l'économie de rente, qui est de l'esclavage pour moi, c'est-à-dire c'est là où vous cultivez ce que vous ne consommez pas, et quelqu'un d'autre qui achète fixe le prix, à la transformation. Lorsque vous transformez, vous structurez donc un prix et vous vendez. Parce qu'il y a une différence sur le plan commercial entre acheter et vendre. C'est-à-dire lorsque je viens acheter, je viens moi-même. Mais là, si vous voulez me vendre, nous disons en sciences commerciales qu'il faut vendre le climatiseur à un homme qui n'a pas de maison. Tout le monde sait que pour avoir la clim, il faut avoir la maison. Mais la technique commerciale veut qu'on vende la climatisation à un homme qui n'a pas de maison. Il faut arriver à ça. Aujourd'hui, il faut accepter que... D'abord, j'ai dit une chose. Rappelez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, le Cameroun investit énormément dans les bourses. Les bourses, c'est quoi? On permet aux Camerounais d'aller apprendre et de revenir. Le problème, nous qui avons été boursiers du Cameroun, on sait ce qu'on appelle l'engagement de Sénat. Je ne suis pas sûr que quelqu'un signe ça parmi vous. C'est-à-dire que tu t'es engagé à sortir du pays au frais du contrôleur camerounais, aller te faire former et revenir travailler au moins pendant 10 ans. Et même là, il y avait la possibilité de partir après les 10 ans. Si vous pensez aujourd'hui que ce qu'on n'a pas fait hier, on doit continuer à le faire, non. Le problème n'est pas de crier sur tous les soirs. Le problème aujourd'hui, c'est que, et ça, c'est le rôle de l'État, adresser des politiques publiques qui nous permettent, après avoir dressé la problématique du développement, de
faire les outils et les instruments, et donc les hommes, pour venir implémenter ce qu'on a clairement conçu. Mais je dis encore, je vous appelle les hommes du peuple là, hein. Prenez le, si on, les ingénieurs mécaniques qui font la politique vont travailler où? Nulle part. Les ingénieurs électriques vont travailler où? Nulle part. Il n'y a pas de soudeurs qualifiés pour le peuple camerounais, mais il y a des enseignants pour l'éducation au Canada. Bon, vous n'avez pas compris ce que je dis, ceci. C'est l'exemple qu'il faut prendre. Je dis ceci. Moi, je parle des choses qu'on doit faire demain. Oui. Lorsqu'on a adressé les politiques de développement, on les adresse en fonction de ce que nous avons comme ressources du sol et du sous-sol. Qu'est-ce que le Cameroun a comme ressources du sol et du sous-sol? Nous avons nos terres arables qui sont les meilleures du monde. Nous avons le sous-sol qui est inattaqué pour le moment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain soit mieux? Il faut former les gens pour faire ce que nous avons. Mais ouais. Si on continue à former les gens pour aller parler le gros français à la télé, pour aller en... C'est ça le problème. C'est pas interdit, hein? Non, j'ai dit que c'est interdit, il faut une marge de gens pour parler le français. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte l'exemple du parlement que je vous ai donné. C'est-à-dire, on voulait 400 soudeurs homologués, on n'en a pas trouvé 10. Ouais. Aujourd'hui encore, si on en veut 500, on ne va pas trouver. Dites-moi une école qui forme les soudeurs homologués au Cameroun. Il n'y en a presque pas. Vous avez du mal génie. Est-ce qu'il y a effectivement une école où on forme les mécaniciens en géant au Cameroun? Non. Est-ce qu'on forme les conducteurs en géant au Cameroun? Non. Alors, vous voulez quoi? C'est le rôle à la fois de l'État, mais également des hommes d'affaires qui doivent réfléchir pour voir ce qui manque et s'y mettre. Je prends un exemple. Il y avait une formation de secrétaire, non? On formait les secrétaires, c'était d'abord un métier. C'était à quoi servent les secrétaires aujourd'hui? C'est une carrière sans issue. Vous êtes secrétaire à 20 ans, vous le serez à 70 ans. À la place, qu'est-ce qu'on a fait? C'est vrai! Vous savez, une secrétaire qui est devenue autre chose, non? Qu'est-ce qu'on a fait? On forme tous les cadres pour faire leur travail eux-mêmes de saisie, de demande de texte. Et du coup, on a enlevé une profession. Vous savez ce qu'elles sont devenues? Parce que les secrétaires avaient un BTS, ils avaient des licences. Aujourd'hui, ils sont devenus des assistants de direction. Ouais. Donc, il faut se dire que si on a des structures de demande pour demain, on va former les gens. Mais pour le moment, et ça c'est le rôle de l'État, il faut le dire clairement, il faudra qu'on ait des politiques publiques qui puissent prendre en compte les vérités problématiques. Ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, j'ai fini par là. Qu'est-ce qu'on fait? Nous pensons que le Cameroun est comme le bonbon. Il va finir à un moment donné. Et donc chacun se bat pour avoir... Pour merci, monsieur le maire. Ça part de manière que si c'est gâté demain, il aura sa part. Malheureusement, aucun pays n'est fini. L'Asie a posé des actes. Ils ont formé les gens, ils ont pris la technologie. Faisons la même chose dans 50 ans. Parce que à l'échelle d'une nation, 50 ans, c'est rien. Dans 50 ans, vous allez voir que le Cameroun qui était pauvre hier ou aujourd'hui va être l'une des meilleures destinations. Je rappelle que... Non, mais monsieur le maire, nous sommes arrivés... Parce que vous voyez l'Asie. Nous sommes arrivés... Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un potentiel. Je rappelle un potentiel. Le potentiel d'aujourd'hui, ça ne fait pas attention. L'Asie va envoyer les gens ici, les mécaniciens et les machins, mais que nous avons plus. Nous, on va pas passer votre avis pour eux. Merci, merci. Alors, messieurs, le temps imparti est arrivé à sa fin, mais comme c'est quand même une problématique grave et importante, je vous donne à chacun 30 secondes pour le mot de la conclusion. Pourquoi nous pouvons me faire consommer 30 secondes? Bah, écoutez, ce qu'on va dire ici, c'est qu'il faut être réaliste, il faut être concret. Mon frère Menonga disait qu'il faut qu'on mette des politiques. Et quand on a mis des politiques, c'est comme ça qu'on peut produire un développement. Mais en attendant, on fait quoi? C'est pour ça qu'il ne faut pas se fermer. En attendant, on s'ouvre, on envoie les gens se former. Mais que cette immigration soit réfléchie, qu'elle soit structurée, qu'elle soit pensée. Et qu'on ressigne les différents contrats avec les gens qu'on envoie. Allez vous former pour ceci, pour cela. Et maintenant que les partenaires à l'éducation de l'État qui crée les universités privées, rentre dans la création des universités purement techniques. Merci, Paul Stéphane. 30 secondes, la réalisation m'a fait les grands signes. 30 secondes, je dirais simplement que je ne suis pas contre l'immigration, mais elle doit être encadrée. Ouais. Parce que Martien Thau lui-même disait, quand il adressait les problématiques de développement, que la seule chose dont on a besoin, c'est le secret de l'Occident. Il parlait ici de la technoscience. Tout à fait. Donc, il faudrait donc que nos États encadrent cette immigration, voilà, pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Moi, c'est la problématique de fond que je pose. Merci. Il faut juste contrôler davantage la diaspora pour qu'elle rapporte le maximum de ce qu'elle devrait rapporter au pays du Sud. Merci, monsieur le maire. 30 secondes. J'ai fini par ce que je vous ai dit. Adressons d'abord nos politiques de développement et calquons tout le reste. Parce que je rappelle qu'en termes de développement, c'est ça qui est la matrice. Le reste... Les formations et autres doivent servir les politiques de développement. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Du moment que la nouvelle politique nationale qui est calquée sur ce moment, SND 30, soit quand même quelque chose, un outil de plus, mais de plus pertinent.
Merci, monsieur le maire. Merci, chers messieurs, d'avoir reflété ou alors émis vos avis et opinions sur cette problématique grave. Et ce constat qui est fait, l'Afrique c'est vite, l'Afrique bouge, l'Afrique s'interroge sur son avenir. Mais nous avons aussi compris qu'il y a de l'espoir sur ce plateau en réactualisant les politiques publiques qui sont les nôtres. Une fois que je l'ai dit, Ouro Africa entre en gare et à nous revoir lundi prochain lorsqu'il sera 21h à Yaoundé au Cameroun. Bien le bonsoir.